Bonsoir à tout le monde. Le leader Dev, il est pratiquement 19h06 minutes, heure du Congo-Brazzaville. Nous sommes le 3 octobre 2022. Alors, le but de la vidéo, je vais vous parler d'une commission que moi j'appelle la liberté financière. Alors, cette commission, c'est les salaires dans Streak et nous allons expliquer ça. Mais avant tout, veuillez s'il vous plaît remarquer d'abord ce qui se passe dans mon back office. Ok, pour commencer, je n'ai pas voulu mettre 1 million parce que je n'en ai pas. J'ai commencé avec 100 $. Ça veut dire que tout le monde peut commencer avec 100 $. Et donc, en quelques semaines, je me suis battu corps et âme. Je suis déjà au premier grade, le grade Jade. Et voilà le second grade, là où je vais. Pour finaliser le second grade, on me dit qu'il te faut avoir 5 000 $ de chiffre d'affaires. Or, que j'ai déjà 2 100 $ ici. Donc, il reste 9 000, il reste 3 000, non, 4 900 $. Il reste 4 900 $. Dès que je vais atteindre ce chiffre d'affaires-là, automatiquement, je suis Pierre. Et je vais recevoir 200 $, soit 20% des 200 $ que l'entreprise va me payer, puisque les 200 $ de primes que vous recevez, c'est payé pendant 4 mois, 20%, 20%. Ça, c'est une autre commission. Alors, je vous avais déjà dit que cette crypto-monnaie-là, elle est déjà listée sur le marché public, etc. et tout. Donc, l'entreprise Streak a son propre wallet que vous voyez ici. Je clique là tout de suite. Là, vous allez voir la valeur de la crypto-monnaie Streak. OK. Vous allez voir la valeur de la crypto-monnaie Streak. D'accord. La crypto-monnaie Streak, sa valeur en ce moment-là, c'est 237 $. D'accord. Ça, c'est son portefeuille qui permet de faire le staking que vous pouvez retirer comme vous voulez. OK. Bien. Alors, donc, je reviens ici. Comme vous le constatez, c'est un projet qui est très lourd. Maintenant, on parle un peu des salaires. Le salaire, comment ça se passe les salaires au niveau de cette entreprise? Parce que le but de ma vidéo, ce n'est pas expliquer le projet au long et en large, puisque j'ai déjà les... J'ai déjà, comment on appelle ça, j'ai tout ce qu'il faut comme argument sur ma chaîne YouTube. Alors, donc ici, quand j'ai cliqué sur Rank Royalty, alors ici, on vous dit, voilà les primes que vous pouvez recevoir lorsque vous décidez de développer ce business, quand vous atteignez un certain chiffre d'affaires. Par exemple, pour mon cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Soyez concentrés. Pour mon cas, par exemple, je suis passé Jade. Quand vous passez Jade, pour passer Jade, il faut atteindre, avoir 2 000 $ de chiffre d'affaires. Je suis passé Jade. Je n'ai rien reçu. Mais je vais commencer à recevoir à partir de Pearl. Pour être Pearl, il me faut avoir au total 5 000 $ de chiffre d'affaires. En ce moment-là, je vais recevoir 200 $. Et les 200 $, ici, l'entreprise va me payer 20% de 200 $ par mois pendant une période de 4 mois. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ça, c'est une autre façon de gagner de l'argent pour les développeurs de réseau. Voilà. Parce que ici, tu peux gagner son parrainage. Ça, là, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Maintenant, on va revenir ici pour que vous puissiez mieux comprendre ça. Regardez, par exemple, je clique sur Rank Royalty. Voilà. C'est comme ce que je vous ai dit. Donc, si je finis Pearl, je reçois 200 $. Les 200 $, là, l'entreprise va me donner 20% de 200 $ par mois pendant 4 mois. Si je deviens Saphir, au niveau de Saphir, ici, je reçois 400 $. Les 400 $, là, l'entreprise me donne 20% de 400 $ par mois pendant 4 mois. Si je passe Saphir 25, Saphir 25, ici, je reçois 1 000 $. Les 1 000 $ de Saphir 25, l'entreprise me donne 20% chaque mois pendant 4 mois. Si je finis Saphir 25, je passe Ruby. Quand je suis Ruby, je reçois 2 000 $. Les 2 000 $, ici, je reçois 20% de 2 000 $ chaque fin de mois pendant 4 mois. Si je finis ici, je passe Emerald. Emerald, ici, je gagne 4 000 $. De 4 000 $, je reçois 20% de 4 000 $ chaque fin de mois pendant 4 mois. Si je finis, je passe Diamant. Diamant, ici, j'ai 10 000 $. Ici, je gagne 20% de 10 000 $ pendant 4 mois. Double Diamant. Ici, je gagne 20 000 $. 20% de 20 000 $ pendant 4 mois. Triple Diamant. Ici, je gagne 40 000 $. Quad Diamant, 80 000 $. Royal Quad Diamant, 200 000 $. Vice-président, 400 000 $. Senior vice-président, 1 200 000 $. Et on fait Global Président, 2 000 000 $ américains. Vous gagnez 10% de ces montants-là chaque fin de mois. Ça, c'est une prime quand vous passez à un grade. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quels sont les salaires? Comment sont payés les salaires? Alors, j'ai un slash ici, ok? Voilà,
J'ai un slash là, le slash est ici, en fonction de votre chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Alors, pour gagner des salaires ici, c'est comment ça fonctionne? Vous savez que cette entreprise-là, c'est une entreprise qui a sa propre crypto-monnaie, qui est déjà fonctionnelle, listée, et tout le monde achète sur le marché public, etc. et tout. Maintenant, pour nous qui sommes dans ce projet, quand on vient, on achète notre masternode. Notre masternode nous permet de créer la crypto-monnaie Stake. Chaque semaine, on reçoit 2% du montant que nous avons dépensé en Stake. Chaque semaine, on peut le retirer, on peut le retirer et le convertir sur LBank en USDT TR7. Non seulement ça, lorsque on vient acheter notre node, si par exemple tu achètes le node de 1 000 $, l'entreprise te rembourse 100% du montant que tu as déboursé en pièces de Stake qui sera bloqué pendant une période de 100 semaines. Parce que tu vois, ça c'est pour quelqu'un qui n'aime pas le parrainage, etc. et tout. Et donc maintenant, pour les gens qui adorent développer le business, puisque nous sommes des commerciaux, l'entreprise nous dit ceci, que si vous m'aidez à vendre par recommandation cette crypto-monnaie, et que si vous arrivez à rentrer dans le plan de carrière, ne vous en faites pas les gars. Moi, je suis déjà dans un plan de carrière où je suis payé chaque fin de mois. Il s'agit de l'entreprise Shinsu. J'ai pris mon temps, j'ai développé. C'est de la même chose que je suis en train de faire ici. Je ne suis pas pressé, je passe mollo. Voilà pourquoi vous avez déjà vu que j'ai déjà dépassé le grade de Jade. Okay? Là, je suis en train d'aller vers le grade de Pierre. Maintenant, au niveau ici, les salaires en question, on appelle ça le pool bonus. Alors, le pool bonus ici, c'est quoi? Ceux qui ont fait Crowd One connaissent. Le pool bonus ici, on dit gagner sur le chiffre d'affaires global de la compagnie. Voilà, chaque mois et sans limite de temps. Ça veut dire que tant que l'entreprise doit réaliser des chiffres d'affaires, l'entreprise doit enlever 10% de son chiffre d'affaires et partager à tous ceux qui sont dans son plan de carrière. Et donc, en fonction du grade là où vous êtes, vous recevez des parts. C'est ce qui fait de telle sorte que ici, il y a des gens qui peuvent recevoir 4, 5, 6, 7, 8 parts. Tout dépendra de votre évolution dans le plan de carrière. Maintenant, ici aussi, chaque grade correspond au montant que tu dois recevoir dans les 10% que l'entreprise a pu enlever. Je prends par exemple, si l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 000 $. Hein? Pardon, je prends un exemple simple comme ça. Un chiffre d'affaires de 1 000 $. Dans le 1 000 $, l'entreprise enlève 10% de 1 000 $, ça fait combien? 100 $. Et les 100 $ là, c'est ce que l'entreprise doit partager avec tous ceux qui sont dans son plan de carrière, qui ont atteint les grades susceptibles de recevoir des salaires chaque fin du mois. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, ici, on commence ici. Les salaires ici sont payés à partir de Saphir 25. Mais quand cela ne tienne, le premier grade que vous allez faire pour rentrer ici, c'est le grade Jade. Quand vous atteignez 2 000 $, vous devenez Jade. Ensuite, lorsque vous atteignez 5 000 $, vous devenez Pilleur. Quand vous devenez Pilleur, c'est ce que je vous ai expliqué ici. Vous avez des primes que vous recevez, qu'on vous donne 20%, 20% de ces primes à chaque fin de mois pendant 4 mois. Okay? Pour devenir Saphir simple ici, il vous faut réaliser un chiffre d'affaires de 10 000 $. Okay? Maintenant, pour devenir Saphir 25, pour devenir Saphir 25, il vous faut 25 000 $. C'est à partir de Saphir 25 que vous devenez salarié à vie dans cette entreprise-là. À chaque fois que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires, l'entreprise partage avec vous. C'est le même cas qui se passe dans ceux qui ont fait Crowd One. Alors ici, les chiffres d'affaires, c'est comment? C'est très simple. C'est en fonction des achats effectués dans votre organisation. Quand les gens viennent acheter leur node pour gagner la crypto-monnaie Stake, en tout cas, le montant déboursé là, le montant là font partie de votre chiffre d'affaires. Et donc, si vous réalisez 25 000 $ de chiffre d'affaires, vous recevez un salaire par mois. Par exemple, on a pris un exemple ici. Au niveau des Saphirs, le montant que vous voyez là, c'est juste un exemple. Au niveau des Saphirs, par exemple, dans les 10% que l'entreprise a enlevé dans son chiffre d'affaires qu'il partage à tout le monde, au niveau des Saphirs ici, tu reçois 2,5% de ce montant-là. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous êtes Saphir 25, vous commencez à recevoir ici. Alors, pour passer Ruby, il vous faut un chiffre d'affaires de 50 000 $. Pour passer Emerald, il vous faut un chiffre d'affaires de 100 000 $. Pour passer Diamant, il vous faut un chiffre d'affaires de 250 000 $. Et enfin, pour passer Double Diamant, il faut un chiffre d'affaires de 500 000 $. Pour passer Triple Diamant, il faut un chiffre d'affaires de 1 000 000 $. Et pour passer Gros Diamant, il faut 2 millions de dollars. Pour passer
Royal Diamond, il faut 5 millions de dollars. Pour passer vice-président, il faut 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et enfin, pour passer senior vice-président, il faut 30 millions de fonds, de 30 millions de chiffre d'affaires et 50 millions de chiffre d'affaires pour être global président. Maintenant, comment ça se passe? Comment les gens peuvent gagner de l'argent? Je prends ici un exemple. Supposons que si vous êtes Emerald, alors en tant que Emerald, l'entreprise prend le 10% de son chiffre d'affaires. Il vient d'abord payer au niveau de tous les Emeralds dans le monde entier. Il paye 2,5% sur le montant-là. Toi qui es Emerald ici, tu prends d'abord ta part d'Emerald. Ensuite, l'entreprise arrive encore avec le même montant, vient payer tous les rubis. Comme tu es déjà Emerald là, tu viens encore prendre ta part au niveau des rubis. Ainsi de suite, tu viens encore prendre ta part au niveau des saphirs. Ça veut dire que tu prends les trois parts là, c'est pour toi. Est-ce que tu comprends? Pareil maintenant pour celui qui est diamant par exemple. Si tu es diamant, pendant qu'on paye le truc de diamant, toi tu prends la part de diamant, tu prends la part de ceci, tu prends la part de ça, tu prends la part de ça. Donc ça veut dire que tu as 1, 2, 3, tu as 4 parts. Donc ici, un exemple simple encore. Si tu es par exemple, comment on appelle ça? C'est ce que je comprends là. Si c'est par exemple triple diamant, tu prends ici, tu prends là et tu prends le reste qui sont ici. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc pour plus d'informations, continuez à suivre les réunions Zoom pour mieux comprendre. Au moins, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et donc, l'objectif de tout Africain qui veut être payé à vie ici dans ce projet, c'est de se lancer. Avec 100 dollars, tu fais commencer le projet. Tu partages le projet. Bah, je prends un exemple simple. Supposons que si tu partages le projet à 100 personnes et que les 100 personnes achetaient juste le node à 100 dollars, ça veut dire que ça t'a fait quelque chose de 10 000 dollars. Automatiquement, tu deviens saphir ici. C'est ce que ça veut dire. Donc, développer le projet Strix, c'est un bon projet avec sa crypto-monnaie qui est déjà listée, avec tous les avantages possibles, son portefeuille qui permet de faire le staking libre à de toutes les crypto-monnaies. Donc, mon gars, voilà un peu tout ce que je tenais à vous dire concernant ce bonus-là que moi j'appelle salaire à vie. D'accord? Voilà, donc les gars, c'est le moment ou jamais de mouiller le maillot. J'ai laissé le lien en dessous de la vidéo. Si réellement tu veux vraiment changer ta vie grâce à ce projet-là, je suis encore dans le début. Je n'ai même pas encore fait un mois dans ce projet. Je suis déjà jade. La preuve est là. La preuve est là parce que chez moi, je parle avec preuve. La preuve est là. Je suis dans mon back office ici. Quand je clique sur dashboard, déjà toi-même tu remarques, je suis dans mon back office. Voilà mon grade jade. Donc le prochain grade, c'est qu'ils ont écrit next rank. Donc le prochain rang, ça sera pilleur. Pour être pilleur, on me dit qu'il faut avoir 5000 dollars. L'avantage ici, c'est que le chiffre d'affaires est cumulatif. Déjà, vous voyez là, j'ai déjà 2100 dollars. Donc ça veut dire qu'il me reste 4900 dollars. Dès que je vais atteindre 5000 dollars, automatiquement, je passe pilleur. Ensuite, on me dira que le grade prochain, c'est Saphir. Saphir, là-bas aussi, on va me dire qu'il faut atteindre 10 000 dollars. Mais ok, j'aurais déjà 5 000 dollars ici. Donc, il faut 5 000 dollars supplémentaires jusqu'à ce que je vais évoluer. Donc, je me concentre. Voilà un projet où tu peux te taper de l'argent partout dans le monde entier, mon gars. C'est un projet qui est lourd, très colossal. Prenez ce projet, partagez l'opportunité sur les réseaux sociaux. Communiquer, c'est un business qui est fort, qui est lourd. Du jamais vu dans le domaine de la crypto-monnaie. Voilà une entreprise avec le MLM. Une entreprise avec sa crypto-monnaie qui est déjà vendue, mais qui pratique le MLM pour permettre à ce que durant toute la période du staking, que grâce au salaire que l'entreprise va te verser par mois, tu pourras survivre, tu pourras garder ta crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas pu devenir riches au Bitcoin. C'est pourquoi? Parce que ces personnes-là ne faisaient que de holding. C'est-à-dire qu'acheter leur crypto-monnaie, garder leur dans leur portefeuille. Si tu as une situation, par exemple, de maladie ou bien une autre situation, si tu as besoin d'argent, tu seras tenté de venir toucher ton argent que tu as gardé et vendre. Mais par contre, lorsque tu fais le staking prolongé comme ça, l'entreprise, pour te récompenser, l'entreprise te paye les salaires par mois pour permettre à ce que tu ne puisses pas toucher tes pièces. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, de toutes les façons, comme vous le voyez, dans la vie est une question de choix. Je te partage l'information. Si tu penses que tu dois te lancer, c'est une bonne chose. Si tu penses que tu ne dois pas te lancer, c'est aussi une bonne chose. Mais de mon côté, je suis déjà dans le projet, je suis en train d'évoluer et quand vous le constatez, je suis en tas dans ce business là et donc prenez souvent le temps d'aller faire aussi vous-même vos propres recherches sur YouTube, sur Facebook, surtout sur YouTube concernant cette opportunité d'affaires. Donc j'ai laissé le lien en dessous de la vidéo sur YouTube, vous allez voir, inscrivez-vous et allez acheter. Maintenant, pour acheter, c'est très simple. La première des choses que vous allez faire, vous cliquez sur les trois traits à gauche, vous venez là où on écrit Node Infra, vous venez là où on écrit Lord
code IUSD, vous cliquez dessus, vous venez là, vous faites le choix de votre portefeuille. Alors, retenez ceci ici, le dépôt se fait uniquement en USDT TRC20. Et retenez que l'entreprise change à chaque fois le lien d'inscription. Donc, lorsque vous voulez vous inscrire, vous voulez par exemple acheter le node, vous copiez directement l'adresse, vous partez envoyer le USDT TRC20. Quand vous envoyez vos USDT TRC20, vos USDT TRC20 viendront se placer ici, là où on écrit Available IUSB. En ce moment-là, si vous avez besoin d'acheter le node, vous venez toujours sur le 3 traits ici, vous venez là où on écrit Node Infra, vous cliquez dessus, vous venez là où on écrit Buy Node, vous cliquez sur Buy Node. Ensuite, vous allez voir que vous êtes tombé sur cette page-là de 1 000 $. Ne paniquez pas parce que dans votre compte, vous avez 100 $. Vous voyez tout simplement à votre droite ici, là où il y a le cercle blanc avec un truc noir. Vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous voyez 100 $ sort, 250 $ sort, 500 $ sort. Donc, vous cliquez sur 100 $ par exemple. Automatiquement, si vous avez de l'argent dans votre compte, vous cliquez juste sur Buy Now. Une fois que vous avez cliqué sur Buy Now, c'est activé. Et donc, mon gars, chaque semaine, tu gagnes 2% d'abord de ceci. Quand c'est activé, l'entreprise te rembourse d'abord directement les 100% de ton argent que tu as dépensé. L'entreprise te rembourse ça en crypto-monnaie Strike et l'entreprise bloque ça. La crypto-monnaie s'appelle SKK. Bien, donc le gars, je crois que vraiment c'est un projet qui est très lourd, très très lourd. Mon frère, voilà un business que je t'offre pour mieux passer les fêtes de fin d'année avec ta famille. En 3 mois, tu peux devenir salarié dans ce business-là. Travaillons en 3 mois. On suppose que nous tous, nous avons commencé en septembre, puisque le projet a été lancé le 12 août 2022. Donc, nous, on vient de commencer récemment. Donc, moi-même, je n'ai même pas fait 3 semaines dans ce business-là. Moi, je reconnais mon lancement de ce projet-là en octobre seulement, puisqu'on vient de commencer. Donc, en 3 mois, on va voir avec un travail acharné si seulement si on peut être dans le plan de carrière. Ça fait quand même beau d'être payé chaque fin de mois en passif, non? Ici, l'entreprise paye chaque le premier du mois les salaires. Donc, l'objectif de la vidéo, c'était de te montrer comment on peut devenir salarié dans ce projet-là, quelles sont les conditions. Et la condition est simple: développer ton business. La vie est une question de choix. La suite au prochain numéro, ça va aller.